Coucou les loulous! Aujourd'hui, je veux vous montrer deux petits jeux que l'on peut faire avec les pailles. Donc, il vous faudra une paille entière, une petite boîte, une bande de papier, une petite bouteille sur laquelle on vous aura troué le bouchon, mais ça, c'est les parents qui le prépareront, et puis reprendre les petits morceaux de paille qu'on avait utilisés dans le petit jeu de motricité fine. Premier petit jeu avec la bouteille, comme en classe avec les cure-dents. Là, c'est le même principe, mais c'est avec la paille. Donc, prendre les petits morceaux de paille et les poser dans le trou. Travail oculomoteur et de motricité fine. Voilà, et on remplit. Quand j'ai terminé de remplir ma bouteille, je dévisse, ça vous savez faire. Et j'enlève mes petits morceaux. Et je recommence. Deuxième petit jeu. Avec la paille entière et la petite boîte, je prends un morceau de papier, je le déchire ou je le coupe. Donc je prends la technique du déchirage, plus rapide. Et quand j'ai tous mes petits morceaux, je les pose devant moi. Ma petite boîte à côté et je prends ma paille. Je la mets d'abord dans ma bouche et je vais devoir aspirer comme si je buvais un jus. Au-dessus du papier, vous allez voir. Ensuite, je dois retenir mon souffle pour aller jusque devant la boîte. On y va, je vous montre. J'aspire mon bout de papier. Je l'ai donc déplacé, j'ai retenu mon souffle jusqu'à me déplacer devant la petite boîte. Et pour lâcher le petit bout de papier, ben je retire la paille de ma bouche et donc ça fait tomber le petit papier. Et je fais ça pour tous mes papiers. Bonjour Loulou! Ça amuse Luna aussi. Voilà, à vous de jouer, hein Luna?